Prestigieux le bande dessinée en France qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, quand quelqu'un me demande qu'est-ce que je fais, je dis je suis dans le publishing. Mais ici, je dis je suis un dessinateur de bande dessinée. It's a big difference. Comment le chat de votre pays a pris son autonomie? Parce que les revues hebdomadaires, il y avait deux tailles. Un, c'est légèrement plus petit que l'autre, et je fais le chat de Pat Freddy pour remplir les pages des formats plus grands. C'était comme ça, le Crazy Cat est commencé comme ça, et des autres, le chat de Cicero était un petit strip qui remplit la page de Mutt and Jeff dans les journaux de dimanche. Et vous avez pris au début c'était du remplissage, puis après c'est devenu un personnage que vous aimez autant que les Fruits du Bonheur. Oui, il y avait des gens qui n'aimaient pas les Freak Brothers, mais ils aiment la bande dessinée de Chad. Moins subversif. C'est moins subversif. Oh, oui, je suppose. Il n'y a pas tellement de marijuana dans le chat de ma Alors j'ai vu que les Fruits du Bonheur ont été vendus à des millions d'exemplaires. Comment c'est perçu dans les autres pays, dans le monde Vous avez un peu diffusé la contre-culture dans le monde entier Oui, les Freak Brothers sont traduits en 14 langues, je pense, même Japon. Ce n'est pas un grand succès au Japon, mais c'est un grand succès en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Espagne. Plus ou moins le même comme aux États-Unis. Maintenant, ce n'est pas publié en Amérique. L'anglais, c'est publié. Les éditions anglaises sont publiées par Knockabout Comics en Londres. Le Rebuff Press a enfin fait faillir. En fait, c'est ce dont tu parlais. Hein. La contre-culture a dû quitter les États-Unis. C'est difficile aujourd'hui d'être, enfin, depuis l'époque hippie, c'est difficile d'être dans la contre-culture aux États-Unis. L'underground. Oui, les journaux underground existent plus parce que les grands journaux ont enfin, ils commençaient de parler des sujets de drugs, sexe et rock and roll. Dans les années 60, seulement les journaux underground parlaient de ces sujets. Vous voulez dire qu'en fait, on peut être. L'underground est à la mode aujourd'hui, donc du sexe, de la drogue et du rock and roll, ça s'est distillé en fait dans la consommation. Ma question n'est pas claire. Hein. Bon. Si, si. Oui, si, plutôt. Ouais. Et plus dans le ground que dans l'underground. Ben, c'est-à-dire que les grands journaux en fait ont absorbé la contre-culture pour en faire quelque chose de digeste. Il n'y a plus de sujet tabou. Ouais, mais ça va pas trop en profondeur dans la contre-culture aujourd'hui. Ça oui, fait partie du reste de la consommation. Dans la free press, il y avait vraiment un côté au-delà, je trouve, de parler que de sexe, drugs et rock and roll. Il y avait un vrai message positif, politique et engagé pour le bien-être de l'homme, qui après a complètement disparu dans la. Enfin, j'ai l'impression. Pas toujours, hein, peut-être. Hein.
les journaux underground étaient tous de gauche. Maintenant, la gauche n'existe plus aux États-Unis. Les démocrates sont centre-droite, les républicains sont extrême-droite. Les verts, c'est une partie minuscule aux États-Unis, moins que 1%. C'est une des raisons pourquoi il n'y a plus d'underground alors. Parce que les grands journaux parlent des mêmes sujets maintenant. Et aujourd'hui, on est en train de célébrer Crumb à Paris. Oui. Je voulais savoir quel est votre statut d'artiste aux États-Unis. Est-ce que vous êtes reconnu? Est-ce que non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'aimerais savoir. Crumb est reconnu aujourd'hui en France. Il est au Palais de Tokyo là en ce moment. Vous bientôt, j'espère. Musée d'art moderne. Musée d'art moderne, pardon. Musée d'art moderne. Bientôt Shelton, peut-être. Mais j'aimerais savoir quelle est votre place aux États-Unis. C'est similaire. Pas de grande exposition au musée, mais les musées aux États-Unis sont. Ils ne sont pas subventionnés par le gouvernement comme ici en Europe. Ils sont privés. Sont privés. C'est... J'imagine que Robert Crumb va être dans le musée d'art moderne à New York bientôt. Ouais, c'est clair. Et moi j'avais exposé à le musée d'art moderne à Lyon avec quatre autres dessinateurs de bande dessinée. Ouais. Mais pour moi, les livres sont plus importants. Et vous continuez à produire d'ailleurs aujourd'hui avec Pic, avec la série Not Quite Dead. Oui, on travaille sur un autre livre. On a pas commencé à dessiner, on parle toujours de l'histoire. D'accord. Et je pense que... Not Quite Dead, l'histoire d'un groupe de rock, c'est un peu les Freak Brothers, mais en rock. Ouais, ouais, c'est plus musical et moins drogue, on va dire. On est plus sur le rock, là. Dans la prochaine histoire, les Not Quite Dead va venir en France. D'accord. Ils n'ont jamais entendu parler de Johnny Holiday. C'est qui Johnny Holiday? Ah, petite question. Encore sur le sujet de la place de la BD comme forme d'art, est-ce que vous avez été tenté déjà par la forme du graphic novel qui a plus de respectabilité, si j'ose dire, depuis Will Eisner et d'autres? C'est difficile à dire quoi. C'est quoi un graphic novel? Le niveau de Not Quite Dead, le numéro 4, c'est une histoire de 48 pages. Et ça fait un graphic novel? Ou juste. Maintenant, il s'appelle les comics aux États-Unis pamphlets. C'est pas de prestige avec les comics, le petit format comme ça.